blessure, c'est de l'histoire ancienne. Je me sens très très bien. Les 2 mois et demi de vacances m'ont fait vraiment beaucoup de bien. J'ai pu bosser sur mon tendon, sur tous les petits appuis et tout. Et là, ça se passe super bien. Ouais, c'est dur, hein, ça fait mal moralement et tout, c'est difficile. Mais bon, après moi, le mental, c'est important. J'ai toujours été un mec fort, j'ai jamais rien lâché, je sais d'où je viens. Et voilà, ça fait partie du truc, hein, les risques, les blessures, c'est comme ça. Hein. Le plus important, c'est de revenir, de ne pas lâcher et de revenir au top. Bien, franchement bien, on est français, on s'entend bien en dehors aussi, donc ça s'est super bien passé. Après, ce soit Rudy ou Victor ou Yuka, voilà, faut s'adapter à tout le monde, je pense que c'est important. Ouais, bah on savait avant de venir ici qu'on allait souffrir, c'est comme ça chaque début de saison et c'est important. Faut passer par là, de toute façon, faut passer par là, la saison elle est longue et je pense qu'on a besoin de faire des séances comme ça difficiles pour être prêt tout au long de la saison. Et surtout le 2 mars, être prêt pour le premier match. Mais je pense qu'on est ensemble, on est solidaires. L'état d'esprit, c'est important d'être ensemble. Voilà, on est là, chacun est derrière l'autre. Et ça, c'est très important pour la suite. Ouais, j'ai de l'expérience, j'essaye d'apporter mon expérience. J'essaye d'être un leader, je suis un défenseur central. Je suis grand, je suis imposant. Apporter mon leadership, c'est important. Et le coach aussi a besoin de ça. Et là, même si je n'ai pas joué cette année, c'est comme l'année dernière en fait. Je reprends les mêmes bases, j'essaie d'être un patron défensif. Et voilà, j'essaie d'être de la même manière, être un leadership vraiment derrière.